On s'en va là, on part pour l'Italie. Regardez ça. C'est les valises qu'on a besoin pour partir en Italie pendant 3 semaines. Une grosse, petite, 3 enfants qui transportent. 3 semaines, 3 jours. Un sac, mon sac. Sept jours en Toscane. Deux nuits à Venise, ensuite on s'en va à Pompéi pendant 6 ou 7 jours, puis ensuite à Rome pendant 6 ou 7 jours encore. On est le 17 mai 2019. Pendant la première semaine, on va être avec grand-papa et grand-maman, puis Dominique va voler avec nous ce soir dans le même vol. Les 2 dernières semaines, on va être notre petite famille, les 6 enfants. Ça va être la première fois qu'on fait un vol outre-tombe, outre-mer, avec les 6, puis qu'on va être tout seul à gérer ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, ça y est, eux autres. Bye! Est-ce que tu penses qu'on va aller à Rome? Non. On va pas à Rome? Est-ce que tu penses qu'on va aller voir le Vésuve? Est-ce que tu sais c'est quoi le Vésuve? Oui, je sais, mais on va pas aller le voir finalement. Non? Est-ce que tu penses qu'on va aller en Toscane? Non. Non, on y va pas finalement? Non, on va pas y aller. Mais par exemple, aller à la toilette. Brillant. Ah ben, toi, tu vas être toute seule. Non, ça va en arrivant, mais on va essayer de se coucher pour que Dominique soit. Ah ben oui, c'est chouette, parce que sinon, c'est la marmaille ici. Et moi, là. Hein. Toi, Nico, es-tu content? Mais c'est pour toi, passons. On vient tout juste d'arriver à la villa qu'on a ici en Toscane. Puis c'est assez chouette. C'est sur le flanc d'un vallon. La villa est pas mal grande. Wow! Avez-vous déniché des choses? Qu'est-ce que t'as vu? Il y a une maison! Oui, dans les arbres! C'est moi qui l'ai installé dans le Voilà! Oh là là! Oh, faut que je me penche! Wow! Et peut-être on peut pas aller dedans? Ah, il y a vraiment un petit matelas. Et les lumières aussi. Mais regarde, comme ici là, je pense que j'ai envie de m'asseoir ici. Mais non! Voilà qui est merveilleux! Mais, c'est une petite décoration qui rajoute un peu de goût. Et c'est très bien. Vraiment, je continue dans ces chambres là. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a là? La tour de Pise. Hop là! Ok! Elle est comme ça la tour! Mais oui, viens-t'en vite! Non, vraiment pas longue. Je suis juste en train d'allaiter debout et de prendre des photos. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est bon, Laurent, que tu peux te faire. Pizza hawaïenne italienne. On s'est arrêté dans une attrape touriste, juste à côté de la tour de Pise. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Je suis en train de mettre plein de 5 sous canadiens dans ma chaîne. Voilà. Là, maintenant, on peut rester jusqu'à quasiment 7 heures. C'est 5 sous canadiens. Non, celle-là, il ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Et c'est un Taluka. C'est une ancienne arène romaine, aujourd'hui transformée en place. Et puis ce qu'on voit sur le côté, ben, ce sont les vestiges de cette arène romaine-là. Il y a des gens qui marchent tranquilles sur les terrasses. En fait, il y a des gens qui Nico! Entre les deux coupoles de la cathédrale. Ça, c'est ce qu'il y a de plus cool qu'il y a pas. On a vu la tour de Pise. La cathédrale de Pise qui était anciennement la plus grande du monde.
Tantôt, tu vas faire quelque chose de drôle. Nicolas, il avait vraiment envie de pipi. Je fais un petit restaurant, je m'avais la cerveuse. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que mon petit garçon, il peut utiliser les toilettes? Oui, au fond à gauche. Fait que je me rends au fond à gauche, mais il y a une file pour plusieurs personnes. Puis Nicolas, il se tenait les mains entre les jambes, puis il se dandinait. Mais les gens dans la file semblaient comme pas trop sensibles à sa cause-là, mais j'étais sur le bord de leur demander s'ils pouvaient dépasser la file. Puis la serveuse, elle le voit se dandiner, puis elle me l'arrache des mains en disant « Madame, give me your baby! » Puis elle part avec au sous-sol, genre dans les cuisines, je sais pas quoi, les toilettes des employés. Tu veux pas de pluie, non? Bon, je comprenais qu'elle l'amenait aux toilettes, là, mais pendant les minutes qui suivaient, je me demandais quand même s'il allait réapparaître, puis s'il allait obtempérer, puis faire pipi avec la dame que je connaissais pas. Là. Mais elle me l'a ramené quelques minutes plus tard en disant « It is done ». Alors, ben merci. On cherche les pigeons. Ça, tu l'as montré? Ouais. Premièrement, il fait le crayon mine. Okay. Ensuite, il efface tous les trucs qui étaient pas bons. Il repasse au stylo. Puis là, il laisse quand même les petits traits qui en fait à part parce qu'il va repeinturer depuis après. Papa, j'ai fait des mangers. Des voir. Des maisons à perte. On va continuer à faire plus haut. Je vois qu'il y a plus de gens qui sont. Pourquoi il y a des gens? Le campanile, c'est le lieu où la cloche est. Vous allez. Ok, on va se tasser. Ah, monsieur. Se tasser. Attends, dans deux jours, on va aller là. Où est-ce qu'ils sont les gens? C'est pas mal la même. Je pense qu'ils sont un peu plus haut en fait. Les enfants, je voudrais prendre une photo. Est-ce que t'as l'air d'une grand-mère lituanienne? C'est ça. Je pense qu'il faut y aller. Pis, t'aimes ça, Laurent? Ouais. Non, y a pas de cloche. Y a pas de. Allô? Ben, c'est Marie-Rose derrière la grille. C'est bon. Y a trop. Ah, y a un monsieur qui vient. Ouh! Tight. Tighter and tighter. Tighter and tighter as you go. Yeah, c'est là, les trous. Ouais, fille. Il y a deux cheveux. Merci. C'est ça que ça marche. C'est ça. Ça se fait bien. C'est plus étroit. T'as aimé ça? Ouais. C'est un peu intense quand on descendait, mais à part ça, c'est bien. On va aller sur le si vous êtes carousel sage. Du prince charmant. Si vous êtes sage. On rappelle le carousel du prince charmant. C'est trop cool, tu as aimé ça? Un vrai cheval, c'est plus haut. Alors là, on va voir si on peut rentrer dans le musée ici. Ah, ça, c'est les pisans, ceux qui se battent mieux. Check comment il est pas beau, le premier sur le bord. Là. Ils ont dessiné une scène de ma vie dans le coin là. Ah, ben oui, tiens. Petite énigme pour vous, faut nommer les personnages qu'il y a là-dessus. Vous avez 10 secondes. Oui, c'est Hercule. Dominique a dit. Ah ouais, c'est Jean le maître. Mais Jean, de quoi tu parles, Hercule? C'est Dominique qui dit ça. Fait qu'on est allé à ce musée-là derrière. Hey, vous allez voir ma nouvelle lentille. Wapalaïch! Papa, pourquoi tu veux pas l'acheter? Ah, prendre un, c'est trop chouette. Cool, hein? Papa, s'il te plaît. 1, 2, 3. Oui, un bon repas. 5, 6. C'était super bon ce soir dans le restaurant. Ouais, t'es joli, regarde ça avec la cathédrale derrière. T'as aimé la journée? Grosse. Ouais, grosse journée. Grosse journée, mais c'était bien. On a vu vraiment beaucoup de choses. La montée? Ouais, quand on a monté dans le Campinelle, la tour à côté de la cathédrale. C'était chouette. 400 quelques marches avec les enfants. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie, puis ça a fait du bien à tout le monde de
faire un peu d'exercice, ça a fait rigoler tout le monde. Puis c'était probablement le meilleur moment. Ouais, je pense que oui. Oh oui! Oh ben!